Après de graves soucis de santé, Michel Drucker est enfin de retour à l'antenne et il a pris le temps de dire quelques mots sur Gérard Leclerc. Le journaliste est mort le 15 août dans un accident alors qu'il pilotait un petit avion qui l'emmenait, lui et deux autres personnes, dont Michel Monory, fille unique de l'ancien président du Sénat René Monory, à La Baule. Michel Drucker, qui a donc repris du service dans son émission Vivement dimanche ce 27 août, a tenu à rendre hommage à l'homme qui avait 71 ans au moment de son décès. Après avoir diffusé des images de Julien Clerc, le frère de Gérard Leclerc, Michel Drucker, dont l'invité à ce moment-là était Michel Bernier, a expliqué que c'était très émouvant de le voir à La Baule, chanter quelques heures après la disparition tragique de son frère. Quant à Gérard Leclerc, l'animateur de 80 ans a confié, la voix un peu chevrotante, « J'ai rarement vu un hommage aussi unanime de toute la classe politique. On pense à toi, Gérard, on pense à Julie évidemment. On s'est connus à Europe tous ensemble. C'était un couple magnifique avec trois enfants brillants. » Michel Drucker reprend du service en observant une photo des deux frères sur le plateau. Michel Drucker s'est rappelé qu'on les voyait rarement ensemble, mais qu'ils étaient venus sur ce canapé, emblématique de l'émission, note de la rédaction. Et celui qui a beaucoup maigri a ajouté, nous ne l'oublierons pas. Gérard Leclerc, qui était à Europe, sur France 2 et qui était régulièrement aux côtés de Pascal Praud sur CNU. En plus de ce très bel hommage pour son confrère, cette émission signait donc le retour de Michel Drucker à l'antenne, après une longue absence. Il faut dire que le mari de Dany Saval a passé de nombreux mois en convalescence, après avoir été une nouvelle fois opéré pour des problèmes cardiaques. Il souffrait en effet d'une endocardite infectieuse de la valve mitrale, une inflammation causée par une infection d'origine bactérienne. S'il avait choisi une tenue plus relaxe que d'habitude, jeans et chemise bleue, l'animateur est apparu amaigri. Il devrait reprendre du poil de la bête ces prochaines semaines. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 3.